Bonjour à tous et bienvenue dans Vilebrequin. Aujourd'hui, on teste une voiture révolutionnaire. Et cette voiture, c'est... Oui, c'est la Peugeot 1007, oui. Mais je vous assure qu'elle est révolutionnaire. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Cette voiture, en son époque, s'est vue révolutionner le monde de la citadine. Oui, oui. Elle a voulu lancer quelque chose de tout à fait nouveau. Et pendant un temps, Peugeot a cru lancer une chose tellement énorme qu'aucune citadine n'aurait plus jamais eu la même tête après. Avec le recul, il se trouve que la vérité n'a pas été celle-ci, mais quand même, ils ont voulu le faire. Cette Peugeot est la première de l'histoire de la marque à porter une nomenclature à 4 chiffres. Et s'ils l'ont fait sur cette voiture, c'est pas pour rien. Cette voiture est la première voiture au monde à posséder des portes avant entièrement électriques et télécommandables. C'est peut-être parce que c'est les seules portes de la voiture. Mais ça reste la première! Quelle élégance! Et voilà le principal atout du Peugeot 1007. Et c'est à peu près tout. Ah si! Allez, petit autre point intéressant en option à 250 € à l'époque, en 2005, vous aviez l'intérieur interchangeable. Peugeot vous vendait des kits hein, avec des trucs comme ça, de couleurs différentes. Par exemple, les panneaux de porte et cacher des trucs derrière, comme de la bœuf et faire des go fast en 1007. Très astucieux! Le gabarit global est très contenu et la direction douce en fait une citadine tout à fait correcte. L'espace à bord du 1007 est tout à fait satisfaisant et la ligne globale de la voiture est plutôt en accord avec ce que faisait Peugeot à l'époque. Eh bien, c'était les points positifs du Peugeot 1007. Maintenant, on passe à la critique. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Fameuse porte. Alors nous avons ici la version Elite 6 110 qui était le haut de gamme hein, de l'époque, qui est forcément associée à la boîte Senso Drive. Hein, donc c'est une boîte automatique, qui est une boîte pilotée, qui est certainement la pire boîte pilotée du monde. Première. C'est une horreur absolue. Il n'y a pas de mode ripage, là je suis en première et en fait il ne se passe rien si tu lâches, il faut lancer. Je suis à 1800 tours minute et la voiture n'avance pas. Pour partir en fait il faut accélérer à fond, c'est-à-dire faire. Voilà. C'est vrai que j'ai que ça à foutre dans une citadine en fait. L'essai ne faisait que débuter mais j'étais très loin d'imaginer ce qui m'attendait. C'est une horreur. J'avais jamais conduit une 1007 avant, j'étais plutôt bienveillant à l'égard de cette voiture, dans le sens où, évidemment, si on est lucide et surtout si on est objectif, ça ne s'adresse pas à des passionnés de voiture. En fait, cette voiture s'adressait principalement à des personnes âgées qui pouvaient accéder plus facilement à la voiture avec les portes. En dehors de cette cible-là, un peu de la merde, hein. C'est pas tellement le concept du 1007 qui est pourri, parce que oui, les portes, franchement, sont pratiques. Le problème, c'est que ces portes pèse 6 fois le poids de la voiture, c'est un délire. Le 1007 fait plus de 1400 kg en ordre de marche. Une C3 de l'époque équivalente pointait à peine à 1100 kg et là on se retrouve à 1400 kg et cette voiture est bien trop lourde pour ce que c'est. Allez, exemple, je vais vous faire un 0 à 100 à fond. On est arrêté. Attention. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100! Faut avoir le temps, hein! Je rappelle que j'ai 110 chevaux et que je suis dans une citadine. Avec ça, t'es censé faire une petite bombe, en fait. La boîte automatique, c'est la boîte Senso Drive. On en a parlé dans notre épisode sur les boîtes automatiques. C'est une boîte pilotée, c'est-à-dire que c'est une boîte manuelle qui est gérée par un ordinateur. C'est un enfer! et sans parler des nombreux à-coups qui ruinent la conduite. Aïe! À chaque passage de report, c'est ça. Mais à chaque passage, hein. Si passer vitesse, je le fais mieux moi-même, je vois pas à quoi sert une boîte automatique. Mais bon, alors s'ils ont mis des palettes au volant sur la 1007, c'est pas pour faire sport, hein. Déjà c'est du plastique dégueulasse. S'ils ont mis les palettes au volant, c'est pour combler les lacunes de la boîte. Parce que la plupart du temps, la boîte se demande ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire, elle dit au-dessus, au-dessous, je sais pas. Et en fait, elle compte un peu sur vous pour gérer ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des palettes. La conduite est proprement abominable. Avec le poids en plus, on a l'impression d'avoir 80 chevaux sous le pied. Ça consomme, c'est pas fiable, c'est pas très confortable. La qualité de fabrication est abominable, mais alors littéralement abominable, hein. Peugeot est une marque que j'aime beaucoup, hein. J'en ai eu plusieurs, des Peugeot. Je trouve qu'ils ont fait des très très bons produits. Mais alors là, on tombe pile poil dans les années 2005. Où ils ont commencé à mettre des écrans partout, de l'électronique partout, et il n'y a rien qui va. Tout tombe en panne, l'écran là-bas est en panne, ça bip dans tous les sens, la boîte auto fait ce qu'elle veut, il n'y a rien qui va. Mais en bonne Peugeot, on peut au moins compter sur un châssis soigné. Je dois reconnaître que le châssis est assez bon. En bonne Peugeot, hein, c'est tout à fait correct. En réalité, c'est la base de la 206 qui a été un petit peu modifiée. Donc oui, ça fait une voiture tout à fait correcte en termes de tenue de route, c'est sûr. Ça freine bien. Ouais, ça glisse bien aussi. Au levier de pied. Ça, c'est cool. Ah, si, le SP se déconnecte. Ça va, Mie ? Oui, ça va très bien. Hop ! Châssis Peugeot, ça chasse un peu de l'arrière, c'est parfait. Hop là, on peut drifter en 1007. Voilà, ça fait 2 points positifs. Pour être vraiment objectif, ça ne devrait pas être moi qui teste ce genre de voiture. Je pense qu'il faudrait plutôt s'adresser à la cible principale de cette voiture, à savoir les personnes âgées. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ma voisine, elle doit dire qu'est-ce qu'elle fout là. Bah oui, bah elle attend son 1007. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Eh ben, c'est ce véhicule que nous essayons aujourd'hui. Ah, oh, dis donc, c'est petit, hein. Ah oui, c'est petit, mais bon... Bonjour. Ça m'a pas l'air très pratique. Regarde, comme c'est pratique. Oui, alors, mais... Oh, ah. le siège est bas, hein. C'est vrai? Hum? Faut pas le relever? J'en sais rien. Là, essaye ça, là. Ou ça, là-bas. Là, regarde ça, là, ça lève, non? Bon, écoutez, je vais essayer de m'asseoir pour me sortir de là-dedans. Attends, je vais monter. Il faudra me tirer. Voilà. Regarde la praticité du véhicule. Moi je rentre et c'est superbe. Voilà. Et surtout, le côté, je vous en prie madame, n'hésitez pas. Allez-y. Alors rien. Oui, il n'y a pas de poignée. Pas de poignée pour s'asseoir. Voilà. Mauvais point. Hop. Attention, la porte, je gère tout. Hein. Oui. Exceptionnel. Y a-t-il une... Ceinture de sécurité, oui. La voici madame. Merci. Pas mal pour l'instant. Si vous voulez mettre ma ceinture, parce que je sens rien du tout. Ah. Oui, je trouve pas ma ceinture, c'est de la merde. Alors voilà, on a trouvé. On a trouvé la ceinture. C'est pas sans mal. Hein. Moi j'ai un petit rangement derrière. C'est vrai? C'est incroyable. Bon, on va. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille faire aujourd'hui? On a des courses à faire maintenant. Oui, 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 oui. D'accord. Bon, on va faire des courses. C'est des courses de la semaine? Oui, du papier toilette. Ah, et un petit whisky, c'est ça? Et du sopalin. Non, je ne bois plus de whisky. C'est vrai? Non, non, je ne bois plus d'alcool. Donc tu bois pas mon whisky que je t'ai offert? Non. Il est vraiment casse-couille, mon petit-fils. Ah, je suis pas le seul à le dire quand même, ça me fait plaisir. On est à peu près bien porté, j'ai dit à peu près. Bon, déjà, mais c'est de la vraie merde, ta caisse. Oui, ça c'est vraiment de la merde. Ah ben, moi je dis ce que je pense, hein. C'est vrai. Vous me la faites essayer, ben c'est tout. Je ne lâcherai certainement pas. Cette caisse, c'est vraiment un bail bresson. Est-ce que vous trouvez que les portes latérales, c'est pratique ou quoi que ce soit? On s'en balèque. C'est ta mère qui m'a fait voir ça. Ben oui. Ben alors, elle me dit, le site de Pierre, Vilebrequin. Ben, le site, je ne l'ai pas, moi, le site. Elle est marrante, ta mère. Ben, elle avance pas, ta caisse. On va pas monter la côte. Attendez, bougez pas, je vais accélérer à fond. Oh là là, je suis à fond, hein. Le moteur va éclater. Nous étions partis pour le second lieu le plus fréquenté des personnes âgées avec la morgue, le supermarché. Qu'est-ce qu'ils foutent encore? Ils roulent dans n'importe quel sens. Leur place de parking, même. Mais ils sont cons. Et voilà. Hop là, on se stationne. Et ben on y est. Yes. Allez. On est arrivé? Bien sûr qu'on est arrivé. Bon, descends. Ouais. Et prends mon sac à main. Hein. Ouais, je te prends ça. Bon, bah, bon, je vous attends ici. Il faut m'ouvrir tout ça. Vous regardez. Hop. Et voilà, exceptionnel. Bon, et bah je t'attends là. Ouais. Ouais. Je pourrais pas mentir parce qu'on arrive bien à descendre. Je bouge pas. Allez, viens, viens, viens. Bon, t'as besoin de quoi du coup? Je bouge pas. Je reste ici. J'attends. À tout, hein. Allez. Waouh. Je vais mourir, moi. Pierre visiblement très bien occupé, mon cas était différent. Allez, laisse tomber, ça va, j'en ai assez, hein. T'es sûr? Ah mais oui, pour moi toute seule. Ça te fait quoi, une semaine, ça? Ça s'arrête ou pas? Aouh. Ce qui paraît que ça s'arrête quand même, ce truc. Mais il est où, ce putain de Sky? Il doit être là-bas, mamie, regarde. Je vois les bières. Ah d'accord, mais moi je ne porte pas d'alcool. Non, c'est moi qui porterai, t'inquiète pas. Allez, bouge-toi le cul, j'en ai marre. Ça va, ça va. Oh, c'est ouf, il y a du tchet. On prend une bouteille de champ en plus? Allez, tu prends quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Oh, bah, oh, le tsarine, là. C'est bien, ça? Ouais, oui, d'accord. Allez, elle est belle, la bouteille. Oui. Allez, c'est cadeau. Bon, les portes latérales électriques, c'est quelque chose de très novateur. C'est un petit peu le début de cette technologie. Et ils sont arrivés jusqu'à mettre un contrôle anti-pincement. Normalement, si la porte se ferme et qu'il y a vos doigts dedans, elle est censée s'arrêter avant vos doigts, ou au moins vous les broyez à moitié. À la base, je voulais tester, sauf que... Ça a quand même de la force, ce truc, hein. Alors, on a jeté des doigts. Comment ça s'ouvre? Je mange jamais des knackis, hein, parce que j'aime pas ça. Si quelqu'un ici apprécie les knackis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouah. Du coup, étant donné que je n'ai pas assez de courage pour mettre mes propres doigts, nous allons simuler cette expérience avec des doigts d'enfant, à savoir des knackis. Ne laissez pas vos doigts dans les portes 1007. Vraiment pas. Encore un bon conseil sur Vilebrequin. Il se trouve que quelques knackis sont arrivés dans les connectiques et que du coup ça ne marche plus. Ah! Non. Non, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça... Ah! Sky, hein. Mais non, t'inquiète. Ça va? Ah bah parfaitement. Très très bien. Hein. Oui, il n'y a pas de coffre, hein, dans le 1007 au fait. Non, les molles foutues, hein. Ah ouais. On peut rien ranger là-dedans. Les vieux ont toujours une chaise roulante ou des choses comme ça. Où est-ce qu'on peut mettre tout ça? C'est vrai. Mais là. Voilà. Et on tasse, et on tasse. Voilà. Alors installez-vous, n'hésitez pas. Hein. Il s'avère que j'ai un peu joué avec les portes et c'est peut-être cassé. Voilà. Ah. On peut monter quand même. Mais c'est pas grave. Hein. Alors la ceinture fonctionne, hein, ça, y a pas de problème. Ah bon, merci, mais pour les mettre, c'est pas évident. Oui, alors si t'es tout seul dans une voiture, faut demander à un passant. Ah, ça y est. Ça serait très drôle de demander à un passant. Vous pouvez me mettre ma ceinture, s'il vous plaît. Parce que j'ai quand même combien. Alors, faut pas se pencher, mais au moins, on profite vraiment de... Oui, de l'air. Ça fait clignoter le plafonnier là. Ah bah oui, ça c'est sûr. Je kiffe les cabs. Ah, je suis bien d'accord, mais ça nous fait un point commun. Bon, bah c'est bien. Oh, c'est agaçant, on part à l'hôpital avec les sonnettes. Alors faites attention à vos doigts tous. Oui. Je vais tenter de refermer. Ça ne veut pas se fermer quand tu roules. On va lui tailler un short. Ne vous inquiétez pas. Elle tient pas la route? Non, ça tient pas bien la route quand même. Hein. Puis les motards sont pas si loin. Petit point négatif du véhicule, lorsque les portes sont ouvertes, c'est que ça bip beaucoup. Sans, hein. 100 avec les portes ouvertes, ça marche nickel. En vrai, ça marche trop bien. En fait, en mettant ça, ils se sont dit, si jamais les gens ne remarquent pas que les portes sont ouvertes et qu'ils n'entendent pas le bruit, on va quand même mettre quelque chose de clignotant en haut. On sait jamais. Oui, oui, d'accord. On sera sûr qu'ils le verront. On n'entend plus le bip là. C'est à 85 qu'on n'entend plus le bip. On s'entend plus parler non plus. Bon bah, tant pis. C'est tout ce que t'as, frérot. Hein? Désolé, c'était une arrivée un peu compliquée. Non, sans dommage, hein, sans bobo. A priori, sans dommage. Voilà. Mais les pneus, je lâcherai pas la voiture. Tu peux descendre, mamie, on peut y aller. Va donc prendre soin de ta grand-mère. Ne me demandez pas une journée si compliquée. Allez, à prochaine. Hein. Oui, c'est ça, au revoir. Ça t'a plu un peu? C'était de la merde, frérot. Ah, je sais bien, mais bon, putain. On n'a pas les moyens encore d'avoir des trucs. Oui, mais quand même. Hein. Le 1007 aura été commercialisé de 2005 à 2009 et ce sera vendu à seulement 140 000 exemplaires. En termes automobiles, 140 000 exemplaires en 4 ans, c'est une claque. La bonne déculottée des familles. Ça me rappelle un peu l'analogie dans les années 60 où les Américains et les Russes essayaient d'aller dans l'espace. Les Américains ont dépensé des millions pour faire un stylo qui marche dans la pesanteur. Ils se sont pris la tête, ont pris les meilleurs ingénieurs pour faire ça. Les Russes, eux, ils ont pris un crayon à papier. Ça marche pareil, c'est juste plus simple. J'espère que vous avez compris cette image, on se retrouve très vite sur Vilebrequin. Ah oui, au fait, dans le triangle des Bermudes français des bizarreries, on a fait la Vantime, le 1007, et il y aura les C3 pluriels. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt sur Vilebrequin. Si je peux me permettre, mes doigts sentent la knacky. Voilà. Tu veux sentir? Hein? Oh, frère, c'est dégueulasse.